En fait, il y a des équipes, tu vois, où tu les arraches sur certaines maps et c'est pas pas non plus la folie. Hein. Je sais pas que nous, combien on a de ratio sur Lotus. Mais bon, je pense pas qu'on ait 80%, je le saurais. Ou alors, je pense quand même qu'on est en positif. Mais je trouve qu'on joue bien la map quand même. Que ce soit défaite ou victoire, je trouve qu'on joue bien la map. Et on a gagné contre JL sur Lotus, c'est vrai. On a gagné contre JL sur Lotus. Je rappelle qu'on avait gagné contre JL 2-1. Donc on sait qu'on est tout à fait capable de mettre deux maps à JL. Trois par contre, on sait pas, on n'a jamais fait. Mais deux, c'est nickel. Bon ! Au niveau des compositions des équipes, Soon sur Cypher, Hip sur Viper, Big Fist sur Fade, Akuma sur Omen, Ghoster sur Raze. Et en face, Mike Killjoy, Jasraz, Magic Omen, Camille Gecko, Roby, Sova. Voilà. Kamik qui devient Gecko alors qu'il était Killjoy lui-même. Kamik qui va donc avoir des flashs. Oui, bah c'est pas grave. Hein. Et si Vov joue plus? Peut-être que si, on sait pas. Non, là, il joue pas sur cette map. Il jouera pas sur cette map, mesdames et messieurs. Je rappelle qu'on n'est pas obligé de sortir tous nos joueurs à toutes les maps. Eh oui. Pauvre Sivov. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile d'être un joueur qui regarde son équipe faire alors que t'es en train de chiller. Mais, normalement, il joue sur Sunset. Donc, vous verrez tous les joueurs ce soir jouer. Si on est sur Sunset, Sivov joue à 100%. Bon, on peut vous le spoiler, c'est pas une vraie surprise. Hein. Mais ça aurait pu être le cas sur d'autres maps. Je peux pas en parler, mais... Mais ça aurait pu être le cas sur d'autres maps, notamment. C'est parti, mesdames et messieurs! Quatrième! Et on l'espère pas dernière map, mais ça pourrait être la dernière map si jamais JL eh bien, remportait la victoire. Ce sera pas le cas, tant pis! On va jouer en défense, mesdames et messieurs. Mandatory sera en défense. JL est en attaque. Et oui, je change la scène, bien sûr. Petite reveal incroyable de notre capitaine, mais comme ils ont avancé après, eh bien on n'a pas cette information. Oh, Hip s'est fait arracher. Ça va, il est pas dead tant qu'on perd pas quelqu'un. Un bon DPS est un DPS en vie, bien sûr, même si vous avez 2 HP, vous pouvez créer la différence. Ça lui retombe dessus? Ouais. Ça lui retombe dessus. On a fait un checking C. Oh, j'adore cette map. C'est vraiment la meilleure map. De toute façon, les maps avec 3 sites, voilà. Pas besoin de me convaincre. Pas besoin de me convaincre, je suis client. On va finir en A. On a Hip qui est dans l'arbre, Hip dans le tri. Enfin, qui regarde cette poire dans le tri, la vache Ghoster. Bon, il a tout vu, hein. Ghoster a tout vu, assez rapido. On va faire rotate Akuma. Et Soon, lui, va rester pour l'instant pas naïf. Oh, oh non, il était flash. Oh non, il était flash. Hip qui s'est fait arracher sur le tri. Quoi ? S'il te plaît. C'est le ping encore, c'est le ping. Mais c'est le pistol, les gars. C'est le pistol. On avait la perspective advantage ici. Big Fizz qui a pu faire ce kill. Oh, dommage. Ça a pas pu être la brochette. Y'a pas assez de son, là ? Ouais, c'était pas à fond, ok. C'est pour ça qu'on a pas fait le round. Eh ben, on s'est fait flawless. Voilà. On s'est fait déchirer sur le pistol. Et alors ? Et alors ? M'en fous ? M'en fous ! Moi, je voulais rendre armé. Ouais, Hip était flashé de Omen. Et il avait pas le... Il y a RCGR, exactement. Enfin, ce kill, c'est quelque chose. Hein. Enfin, après, il avait plus d'HP. Ça doit être une balle HS. Et même peut-être que les deux autres touchent pas. Hein, on sait pas. En tout cas, tout le monde s'est fait arracher la gueule. Bon, une écho horrible. Hein. Alors, les échos sur Lotus sont extrêmement fortes, mais surtout en attaque. Après, la dernière fois que j'ai dit ça, on a mis l'écho en défense. Donc, c'était incroyable. Mais c'est vrai que les échos de Lotus... peuvent être des échos très fortes, surtout en attaque. Voilà. Je peux encore monter le son. Mais là, c'est à fond, hein. C'est comme tout à l'heure, là. Ça va pas bouger. Ou alors, ça... peut-être la régie a baissé le son de leur côté, mais moi, c'est à donf, en tout cas. Je peux pas faire plus. Je crois pas que je puisse faire plus, hein. Non, je peux pas. Bon, après, faudrait que je booste le gain et tout, mais bon, vas-y. Non, mais ça va aller. Oh, bah alors, un petit setup pour neutraliser Kamik. Par contre, il était tout seul. Et je sais pas s'il avait une arme, j'ai même pas regardé. Là, il y a que Mikey qui a pas d'arme. On a Soon qui est tout seul. Est-ce qu'il peut faire un kill? Oh, dommage! Putain, il le met à 12 HP, dommage! En vrai, c'était hyper beau, hyper propre. Il avait tourné autour de sa cage. Là, on a une tourelle, on va la détruire. On n'a pas réussi à récupérer son arme. On a récupéré Sheriff, je pense. Ouais, c'est Ghoster qui a récupéré Sheriff, effectivement. Là, on a fait un petit check avec du Bunny Hope. On peut l'avoir? Oh, on n'a pas réussi à l'avoir. Oh, quel dommage. Par contre, il a 2 HP. Les gars, il a 2 HP. Je jure qu'il a 2 HP. Ah merde, il s'est escape.
On va le jouer, hein. On va le jouer, les gars. En plus, on sait qu'il y en a plusieurs avec l'OHP. On a Jas à 12. On a Magic à 17. On peut avancer, hein. Allez, 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 les gars. On arrache. Oh, dommage. Et on a maintenant, on a Mikey aussi qui est à 63. Putain, ils sont tous low life. Quel cauchemar. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Du Resérator, là. Non, je pense qu'il s'est dit, ils sont tous partis pour sauvegarder leurs armes pour le bonus. Du coup, je me barre au cut et j'essaie de choper quelqu'un. Non, non, mais hé, hé, hé. C'est lui le joueur pro, c'est pas nous. Hein. Oh, 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 oh. Putain, le nombre de gens qu'on a mis à 2 HP. Bon, c'est pas grave. C'était l'écho de merde. Hein. Il a voulu lancer son couteau. Le couteau de lancer, bien sûr. Bon, c'était l'écho de merde. Là, par contre, c'est le bonus pour eux. Par contre, 19150 de loadout value et nous seulement 19300 parce qu'on a fait très peu de kills. On a fait un seul kill en deux rounds. Donc ça veut dire qu'on a vraiment un round acheté horrible. Autant il y a des bonus de bourgeois, là c'est un round acheté vraiment de la précarité totale. Attention Akuma, dans une pose assez dangereuse, faudra l'aider rapidement. Mais ça va, ils sont deux sur le tri, on a un proleur qui check, qui a trouvé Magic. J'adore les vidéos, j'adore les vidéos, plus de vidéos, Ghoster qui arrache Magic, j'adore. Akuma qui a pu TPI. Oh, oh la vache, et quand même hein. Soon qui a vu que ça déclenchait sur sa cam, enfin en marchant en tout cas. Putain, dommage qu'on n'ait pas pu faire le deuxième kill. Si on avait réussi à avoir Robbie, ça aurait été incroyable. Ok, ok, ok. Enfin, le bonus qu'ils ont, hein. Pff, double Vandal Guardian contre quadruple Vandal. Et là, Guardian, c'est fort, hein. On a le timing. Ok, c'est bon. Ips s'est fait flash, mais Ghoster a fait un kill. Ok, deuxième. J'aime bien. Il en reste un, mais on a le spike. Oui. Oh, qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon. Oh oui, les gars. C'était un round armé. Certes, on avait l'avantage. Et encore pas tant que ça sur le loadout value. Mais il fallait le mettre. Il fallait le mettre. Et c'est le premier round sur Lotus. Le round bonus. Ouais, tu mets pas les bonus. Hein. Tu mets pas les bonus, tu te calmes. Très bon setup. On a des bons setups en A. Hein. Putain, là, Robbie a été absolument légendaire sur ce kill. Mais franchement, on a des bons setups en A, j'aime bien. Ouais, 4 kills pour Ghoster, j'ai vu. Ça, c'était malin. Ça, c'était très malin. Il est allé chercher le petit Sova. Et ça faisait plaisir. Et boum, le petit checking. Bah, normal. C'est un bonus, tu peux pas exulter. Hein. On exulte sur les. Sur les rounds importants, sur les clutches, mais pas sur un bonus. Je révèle la. Ok, 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 ok. Soon qui a ouvert la porte et qui s'est barré en bunny hopping. Peut-être qu'on estime qu'il est under tree. Enfin, derrière le petit arbre. Encore une casquette mandatory. Oh, bientôt. Elle sort bientôt là. C'est pas une blague en plus. Pour le split 2, elle sera là. Alors, ça fait un peu chier. Parce qu'on avait la reveal, je crois. On n'a pas pu faire le kill. Parce que là où Ghoster a voulu commencer à lui tirer dessus, il s'est fait revenge. Et voilà. Oh non! Oh non, le cauchemar. Oh là là, oh là là. Oh putain, c'est un miracle. J'ai pas regardé. Oh là là, c'est cool ce qui s'est passé, c'est cool, c'est cool, c'est vraiment très cool. Oh là là. Oh, je suis trop heureux qu'il l'ait tué. Pas naïf, ouais, pas naïf, mais il y avait de quoi l'être. Là, pour une fois, il y avait de quoi l'être. Oh oui, oh oui. Oh dommage, non, il méritait mieux. Tu méritais mieux, Soon. Un peu trop pressé, peut-être, encore. Mais en même temps, c'est en prenant un timing comme ça. Oh là, oh non, oh non, oh non. Akuma mort, 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 mort. Là il se décale. Adieu, mort. Mort, parce qu'il a eu le timing. Et c'est un 2v4. 2v4 très dur. Avec Hip et Big Fizz. Ça va être un saving. Un petit saving, parce qu'un jour les maillots seront personnalisables pseudo au dos ou c'est pas prévu. Bah, le flocage c'est toujours très compliqué en termes de délai et de prix en plus, donc je dis pas qu'on le fera jamais mais c'est beaucoup plus difficile en réalité. Après si vraiment vous voulez floquer les maillots, vous pouvez le faire une fois que vous l'avez et même vous, vous y gagnerez probablement en délai et en prix en vrai. Donc mais c'est pas impossible mais juste c'est vraiment compliqué à faire. Tapisterie mandatory. Ouais je sais, je sais. Je sais, je sais, il y a des trucs, ça arrive les gars. Bon ça ce kill c'est incroyable hein. Là il check et du coup c'est facile hein. Il dit à son gecko ok Yao mène en haut, il t'a pas vu, Camille qui sait qu'il a un timing, il se décale, let's go. Odin de Mikey qui va tirer là, mais c'est pas très grave. Oh si c'est très grave en fait. Adieu Big Fizz.
Adieu, adieu, adieu. Mort, 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 mort. Pas mort, pas mort. Il a mis un peu de temps à tirer, je crois. Non, il l'a touché quand même. Il lui a enlevé du shield. Plus 5 HP. Ok. On est quand même sur un sacré round armé. C'est cool de pouvoir acheter ce round-là. Mets ta petite shield. Ça y est, ça recommence. Ah non, mais la Odin sur Lotus, c'est pas la Odin de Ascent. Hein. Et pour le coup, là, on fait partie de ceux qui les font aussi. Pouah, Soon s'est fait arracher la gueule. Et non, il est tout seul. Oh, attention, attention, hip. Oh, il va la prendre. Hein. Non, il va pas la prendre. Altego qui pose. Ce sera Mandatory Take avec Ghoster qui a son ulti. Mais va-t-il l'utiliser? Parce que là, il est premier à passer. Ah, il a Bulldog. Hein. Oh oui! Ah ouais? Oh! Oh! Ok. Ulti? Satchel? Ok, 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 ok. Ok? Ok? Ouais, avance, avance, avance. Oh, il est obligé de tirer là. Hein. Il est obligé de tirer là. Impossible de lui en vouloir de tirer là. Par contre, c'est dur. C'est très dur ce round. Très, très dur. Très, très dur à gagner. Très, très dur à gagner. Robbie est derrière. On a les deux qui sont posés sur main, ingagnable pour le pauvre Ghoster, il faudrait vraiment un miracle. Voilà, il a plus le temps, il s'en va. Ouais, très dur, hein. Très dur cette plante de main avec un Robbie qui avait fait le tour, il me semble. Bah, Ghoster qui va se faire arracher, il est pas naïf, mais c'est quand même dur de faire le kill ici. Oh, ça perd son... ça perd sa patience. Ça perd sa patience. Ça tire. Mais je comprends, 4-1. Tiens, il vise précisément à cet endroit-là. Wolak, Wolak sur la tête de Soon, là, probablement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'était un kill de fou. Hein. Ça, c'était un kill de fou. Il était en train de sauter quand ils ouvrent la porte. On a réussi à faire le kill sur Kamik, mais c'est si dur. Et Robbie, encore une fois, pooh, qui a fait un round de fou, qui a fait 3 headshots en kill feed en 3 secondes, là. En une seconde, même. Franchement, c'était un truc de fou. Bien joué à lui. Bien joué à lui. On n'a pas encore mis de round d'armée. Si, on a mis que le bonus. Et comme il était à équivalent, on peut le compter. Merci pour les 3 ans de sub. Merci beaucoup. Et on va eh bien faire un round écho. Donc un round d'économie, on va acheter assez peu d'équipement, ce sera juste Vendel pour Hip. Et de l'autre côté, on aura Ghoster Soon, Big Fizz Akuma avec Sheriff. Est-ce que Big Fizz va acheter Sheriff? Peut-être, sauf si on veut jouer Snipe sur le round d'après. Et encore 2700, on n'est pas sûr si on perd le round. Donc le local est incroyable. Ah ouais? Ah ouais, ça vous plaît? Bon, c'est une petite déco, voilà. Et en fait, derrière eux, on ne voit pas, mais il y a un petit canapé avec des petits coussins mandatory et des rideaux rouges. C'est très sympa. Vous avez peut-être vu dans certaines vidéos de la chaîne Mandatory. D'ailleurs, on est en train de préparer le reportage aussi. Hein. Vous savez, on vous avait parlé du fait qu'il y a un reportage un peu autour de la vie à Montpellier et des joueurs. Et on vous prépare ça. On vous prépare ça tranquille. Voilà, avec des images un peu inédites en HD de Montpellier et des joueurs. Parce que c'est toujours cool. Let's go! Allez, let's go! JL 4, Mandatory 1, et on est en écho. Donc un round qui devrait aller à 5-1, si JL n'est pas une équipe à chier. Ma caméra est détruite. Soon, le pauvre, tout seul sur son site, C. Mais ça n'a pas encore avancé sur le C. D'ailleurs, ça se redirige même vers le A. Mais on met de l'activité. Mandatory est obligé de rediriger vers le B. On n'a pas encore redirigé vers le C, on a redirigé vers le B pour prendre de la zone. Et au pire, on jouera en Harry Tech. C'est pas très grave. Ouais, j'aime bien. Est-ce qu'il peut... Oh non. Oh, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas du tout. On a pu prendre la ligne du B. Ça, je trouve ça cool. Par contre... Ouais, par contre, le problème, c'est que si les mecs du A viennent s'en mêler... Non, non, venez pas, venez pas. Oui. Ouais, non, il y en a d'autres. Ouais, il pense... En fait, comme c'était Mikey... T'en as pas de chance. Comme il trouve Mikey en premier, il se dit... Ah, ok, c'est la sentinelle. Du coup, il est tout seul. Les autres sont en C. T'en as pas de chance. Parce que le check de Mikey en premier, c'est pas volontaire, tu vois. Ils envoient pas la sentinelle en mode... Ah, s'ils te tuent, ils croiront que t'es seul et tout. Jamais de la vie, tu vois. Et c'est pour ça qu'il switch sur la smoke direct. Si ça avait été un autre joueur, jamais il switchait sur la smoke. Plus que 30 secondes. Mais vu que c'est la sentinelle, il se dit bah ouais, c'est logique. Dommage, dommage. On est placé. Ouais. Oh, oh, il a failli faire les deux. Vous avez vu? Vous avez vu ce flic? Oh, si c'est le deuxième kill, franchement, c'était un cheater, hein. Je le dis. Hein. Est-ce qu'on meurt sur le spike? On va save l'arme de Hip, on va essayer. Oh, le flic de fou. Hein. Le FDF, le flic de fou, clairement. Bon, Ghoster va le tenter, Hip, je pense pas. Il va tenter de faire tomber des armes. Dernier joueur en vie. Dommage, hein. Il touche, hein. Il touche, il touche. À la fin de l'envoi, il touche. Bien joué, bien joué. Hein. Bon, 4-1. 4-1,
4-1, sonnet, poème. On va avoir un round où on va pouvoir acheter. C'est un round écho, hein. On fait tomber deux armes. C'est nul. Enfin, c'est nul. C'est pas mémorable. Et nous allons avoir beaucoup d'argent en banque, par contre, pour JL, qui, a priori, sera en écho dans très longtemps. Paf ! Ah, ça dégoûte, hein. Alors que s'il enchaîne un deuxième, bah, peut-être qu'il meurt, mais bon, c'est pas pareil, tu vois. Il fait que des aces jusqu'à la fin et on win normalement. C'est vrai. 5-1, c'est chaud ou pas? Non, ça va. Non, non, premier degré, ça va. En plus, c'est une map équilibrée qui peut se renverser dans un sens comme dans l'autre. Donc, après, ça va. S'il y avait 5-1 pour nous, je te dirais que ça va aussi, hein, je te cache pas, mais... Tant que t'es pas mené 8 par une équipe, 8 ou 9, en vrai, ça va toujours. Parce qu'il faut vraiment voir la map sur deux sides. Soon en checking C. Le problème, c'est qu'on va avoir Mikey qui va ouvrir la porte. Mikey qui va ouvrir la porte, je pense. Tiens. Ah ouais, il a eu une info. Pourquoi il back, là? Oh, il a eu une info. J'ai pas eu l'info. J'ai perdu. Attends, moi, je fais R3. Beaucoup d'infos, globalement, dans la vie. Un petit check pour... non, un petit TP de Omen, de notre Omen national, Akuma, pour, revenir. Oh non. Oh oui, belle flash, j'ai bien aimé. Est-ce qu'on va pouvoir faire un kill de denying? On est dans cette smoke, il a tiré un peu dedans, on sait... Oh là là, on est tellement contact! Dommage qu'on n'ait pas réussi à avoir... Oh, Roby qui a eu hip avec l'ulti. Oh, Akuma! Wouah! Wouah! Ce qu'il lui a mis en se retournant! Il l'a mis à 4 HP. Ok, il en reste un. C'est... Attendez, c'est dur quand même. Ok, on le tue. Oh, mais Akuma! Non, putain, mais Akuma a fait un round de dégénéré, là. Vous avez vu? Il fait les deux kills en spray transfert, il se retourne et presque il lui met headshot sur un autre spray transfert 180 degrés. Non, mais attends, Akuma, c'est le GOAT. Attendez. C'est incroyable ce qu'il vient de faire. Genre là, il est en spray transfert, il fait le premier kill. Là, il en fait... Ok, il avance sur l'ulti, il en fait un premier, il retransfère, spray transfert, il re... Oh, il se retourne, il recoil, reset, et il continue de taper sur Mikey, il le met à 4 HP. Oh, vas-y, c'est bon. C'est trop. Non, c'est trop, c'est trop. Là, il prend le brawler, ça fait trop plaise. Et derrière, derrière, on tue. Oh, incroyable, le round. Incroyable, Akuma. Il a ajouté Artisan TD en avant-première ou quoi? Ah, peut-être, peut-être. Putain. Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon. Un deuxième petit round et un round d'armée pour mettre en confiance, ça fait plaisir. Mikey Operator en attaque illégale. Illégale. On va pas être naïf à droite, les gars. Au revoir. Allez hop, petit boombot. Alors on sait où ils sont. Par contre, est-ce qu'on va pouvoir réussir à gérer cette information? Ça, c'est autre chose. On a réussi à passer. Oh, ça va être dur, là, quand le wall va tomber. Oh, oui! Ok, il en reste un. Au moins un. Ghoster, sois pas naïf. Allez! Eh, des zooms! Tu verras mieux le jeu! Allez, hop là! Et en plus, il avait le spike. Non, non, je suis dégoûté pour lui. Alexa, lance la kiffance! Oh là 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 là! Oh, Soon mort. Oh! Oh, Kamik qui tue hip, mort. On a le spike, hein! S'il te plaît, Big Fizz, essaye de survivre! Putain, le pauvre! Akuma, mort. Enfin, tue. Akuma, tue. Pauvre Big Fizz. C'est bon, il est aidé. On a... Là, leur problème à JL, c'est Big Fizz. Et Big Fizz, il est en train d'arracher la game! Voilà, c'est ça! C'est ça le problème. On a l'info, on sait qu'il est tranquille. Il est dans l'arbre. Le type est dans l'arbre, Le type est un paresseux, le type est un babouin en train de monter aux arbres comme ça, le type est un koala. Le type n'est pas du tout un joueur de Valorant, le type reste dans les arbres. Tuez-le. Décale et tue. Le type est en Tarzan gameplay. On a même réussi à récupérer un orbe. On a tout. Et qu'est-ce qu'on leur a laissé? Pas grand-chose. Oh, ça c'est fou. Attendez, je vois de la lumière sur le coin gauche de mon écran. Qu'est-ce qui peut bien arriver? Bam! Roquette dans la gueule! Attention les jeunes, roquette dans la gueule. Son troisième titre! Akuma, il tue. Très beau round. On a l'opérateur? Ouais, j'aime bien.
Petite pause de job live. C'est vrai que ça s'est mal passé ces deux derniers rounds, mais là ils ont un ulti très puissant sur Lotus qui est le confinement de Killjoy, le confinement de Mikey. Qui va devoir le poser dans la cascade, dans le B, dans le A. En fait, les trois sites sont possibles, franchement. Hein. Enfin, dans la cascade, non, pas forcément la cascade, mais juste avant. Par contre, nous, on a l'ulti de Big Fizz. On a l'ulti de Big Fizz, pas pour counter cette ulti, mais disons pour faire une retake assez efficace. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est forcer, enfin pas forcer, mais essayer de déclencher le plus vite possible l'ulti de Mikey. Donc le forcer à le déclencher. Et après, voilà. Ils sont en TO tout le temps. Ils en ont que deux, hein, comme nous. Je crois qu'on a utilisé déjà un timeout aussi. Hein, donc, c'est le deuxième timeout. Nous, on avait utilisé le premier. Acheter l'OP par ramasser. Ah ouais, vous croyez? Ouais, je crois qu'elle a été achetée. Hein. Elle est totalement achetée. En fait, on n'avait pas vu que Killjoy avait l'opérateur. Parce qu'en fait, on l'a tué. On n'a même pas vu ce qu'il avait comme arme. Même si on était derrière. Ah non, attends, 4006. Ouais, non, là, c'est vrai qu'on l'a acheté, on l'a pas ramassé. Étonnant, ça. S'ils l'ont ramassé. Et pourquoi il a moins 4006? Ah, parce qu'il a acheté. Il a acheté à quelqu'un. Ouais, il a acheté à quelqu'un. En fait, j'ai vu moins 4006. Mais en fait, pas possible. Pas possible du tout. D'être que à moins 4006 si tu prends opérateur, plus des spells, plus de shield, plus de... Ici. C'est juste parce qu'il a acheté à quelqu'un. Vas-y, Hip, mouse 1 là, mouse 1 dans la smoke pour voir là. Appuie sur ton bind, mouse 1. Oh, ça traverse. Oh, Akuma. Akuma, ça va être dur là. Ok, 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 j'ai peur, mais c'est faisable, winnable. Ils ont la perspective cependant. Oh la vache. Ok, timing, décale. Ok. Oh non. Oui. Dommage, c'est pas grave, 1 pour 1. Hip, tu te fais rusher, tu le rushes pas. Oh, ok. Ulti de Big Fizz. Altego. Oh non, il a pas eu de chance. Qu'est-ce qu'il fait, Altego? Il va ramasser une arme ou quoi? Perspective aide. Alors qu'il était sourd. Perspective aide encore. Mais pas le choix. En fait, on dit perspective aide, mais parfois il n'y a pas forcément le choix et on décale. Et on s'est fait arracher sur ce round. Ah, j'avoue que j'en attendais plus de ce round. Je suis un peu frustré. Là, si j'étais joueur, moi c'est FF. Hein. FF la game. Non, je plaisante, j'FF jamais les games. Je ne m'appelle pas Moment, mesdames et messieurs. Et donc mort. On sauvegardera pas cette arme. 6-3, mesdames et messieurs. Nous avons notre prochain round acheté, normalement. Ça, c'était bien. Ce 1 pour 1 était OK, selon moi. C'est bon, ici, Hip ne meurt pas, c'est cool. Par contre, Ghoster... Ah, Ghoster qui il a pas de chance, mais juste Omen Magic a bien joué en se décalant alors que Hip avait décal. Du coup, il pouvait penser qu'il y avait personne et tout. Enfin, je comprends le truc de... Il a été surpris à cet endroit-là. Et donc, 6-3, dixième round. On va mettre deux personnes sur le C. Oh, ça va déclencher en C. Peut-être on va faire une nade. Grenade. Ok, est-ce qu'il s'est fait flash exprès? Oui, il s'est fait flash exprès pour bait, pour Akuma. Mais ça n'a pas décalé. Donc bon, un petit bait tranquille pour... Attention par là. Pour au cas où. Petite grenade dans la gueule. Ah ouais? Ah, étonnant, il est resté jusqu'au bout pour tanker un tic de grenade, mais là je vois pas trop le truc. Mais en même temps, je suis faire 3, donc dommage. Parce qu'il s'est dit, si ça avance en même temps, probablement que c'est le move. Hip qui est dans la pose de Soon tout à l'heure. Alors Soon qui s'était fait arracher à cette pose hein, tout à l'heure. Il s'était fait kill instant. Petite mollo. Là, il y a une cage pour l'aider. Oh, non. Oh putain. Ok, c'est bon. Il rush pas. Chaud devant, ça gobé. Bah, franchement, ça nous arrange. Par contre, ce qui nous arrange pas, c'est lui là. Oh non, Robbie. Oh non. Les kills de dos, c'est très dur. C'est très dur, les kills de dos. Ça arrive même au meilleur. Hein. Alors, Hip. Les kills de côté. Ouais, il était de dos. Akuma, la cover, bien sûr. Par contre, il va falloir se dépêcher. Ok. Oui, j'aime pas. J'aime pas non plus ce que j'ai vu en haut. On a la perspective. J'aime. Ok, on y va. Attention, c'est Mikey. C'est quand même un joueur légendaire. Ouais, putain. La vache! Parce qu'ils avaient les deux 2 HP, il le sait, du coup ils se prêtent à transfert instant. Ouais, ils avaient 2 HP, les deux avaient 2 HP en gros. Nos deux joueurs avaient 2 HP et il le savait. Du coup il s'est dit, si j'en arrache un, j'en arrache deux. Spray transfert très solide. Hein. Avec Big Fizz en plus qui avait l'arme la plus pourrie du game. Ouh, terrifiant, il a failli faire les 3. Ouais, regardez. Bam! Ouh, en vrai, il a même pas eu le temps de se retourner, mais ouais. Ok, 6-4, 4-6. Avantage, JL. Voilà. Nouveau 7. Ici. Et nous avons déjà 4 rounds. Non, mais on est trop bien.
On est trop bien, les amis. Coach, est-ce qu'on peut acheter ce type? Non, il a trop de ping. Désolé, malheureusement, ça va pas être possible. Sinon, j'aurais adoré. Hein. J'aurais adoré, bien sûr. Hein. C'est pas contre moi. Hein. Impossible, hélas. Ouah, cette pause, c'est dur cette pause. Mais ils sont deux. Ils sont deux, mais. Ouais, ouais, ouais. Ouais! Oh, ce mec! C'est quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un! Vous avez aimé mon analyse de ce round jusqu'ici? Flash? Oh! Oh, il est fort, Roby, je trouve, vous trouvez pas? Ah, bam! Bon. Il en reste un, on va jouer sur le trap. Hop, mort. Non, pas mort, ok, pas mort. Oh, il a eu le timing, il est passé. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Plop. Il va planter, non? En vrai. Il peut pas planter, c'est impossible. Par contre, Soon, je crois qu'il est couteau en main. C'est quelque chose ce kill, hein. Pas évident. En même temps, il pouvait être que là, entre guillemets. Mais faut quand même le faire, faut quand même le faire. J'adore cette fantôme. Ouais, putain, bien joué. Oh là là là, ça joue, hein, ça joue. Hein. Ça vit, hein. Ça vit, c'est quelqu'un. Hein. Mais regardez qui y en a qui arrive là. Regardez Ghoster. Allez, mort, 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 mort. Eh oh, oh, la fête est finie. On se calme. T'as réussi à faire un kill, deux kills, c'est bon. Il y en a quand même cinq, hein, on connaît le jeu. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Hein? C'est bon. Oh, Akuma, Akari, le round de fou, hein. Je suis l'Omen, fais un AVC de peur. Ouais, essaye. En fait, tu t'attends à ça, tu vois. Checking. Oh, putain, Sivov, il fait quoi, là? Il fait des étirements de bras ou quoi? Non, c'est parce qu'il fait du deathmatch, je pense. Il est en plein deathmatch pour la round, la map d'après, qui sera Sunset. Ok, Job Life en écho. Job Life en écho. Job Life avec du Guardian. Triple Guardian, Spectrum and Sheriff, ladies and gentlemen. 6-5 pour le dernier round. Le dernier round de la défense. Ghoster joue sur deux PC en même temps. Absolument, absolument. C'est sa grande qualité. Donc, dernier round. Et c'est une écho nulle pour JL. Parce qu'ils sont très peu armés. Nul et non avenu. Je révèle la zone. Ah ouais? Oh, la roue de fou. Pas de fuite possible. Zoui, 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 oh. Adieu. Zoui, 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 oh. Oh, il était pas dessus. Pourquoi tous les Sova, ils font des kills avec leurs ultis et nous, non? Peut-être parce qu'on n'a pas Sova dans la compo. C'est peut-être ça. En vrai, c'est peut-être ça. Vas-y. Bon, c'est dur, hein. Ce round est très difficile. C'est une grenade qui le tue. Ah ouais? Ouais, je me disais bien qu'il était pas dedans. Ah, Ghoster qui check en bas, tout à l'heure on s'est fait avoir. C'est bien. Ouais! Dommage, 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 dommage. C'est bon, on est là. Oui? Oh, il va être dur à choper le. Le gecko là. Ah ouais? Oh ouais, ok. Oh, y a plus le temps. Hein. Oh, mort, 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 mort. Il était reveal. Ok, 7-5. Eh bah écoutez, ça me va. Il y avait combien? 5-1? Un truc comme ça? Oh, c'est good, hein. 7-5, ça me va bien, ça me va bien. 5-2, ouais, il y avait 5-1, je crois. On s'est fait écho. Ouais, on s'est fait écho. J'avais dit sur Lotus, hein. Sur Lotus, les échos en attaque sont vraiment très fortes. C'est un bon side, 7-5 défense. Oui, oui, bah, c'est pas un bon side, mais c'est pas un mauvais side. Voilà. C'est pas un bon side. Je dirais pas que c'est un bon side. Parce qu'un bon side, ça aurait été 6-6, tu vois. 6-6 ou au-delà, ça aurait été pas mal. Roby MVP, c'est vrai qu'il a fait un ou deux rounds absolument géniaux qui lui ont permis de faire le top MVP de cette manche. Mais ouais. Ouais, on sait qu'un seul side, hein. Voilà, c'est pas grave. Allez, petit pistol. Oh, pistol, m'en tape, hein. Ça ferait quoi, 5-9? Un pistol raté? Et alors? De toute façon, faut jouer comme s'il y avait 0-0 à tous les rounds, hein. Et comme les échos sont très fortes. Voilà, pas naïf. Est-ce qu'il va bait pour l'autre? Hein? Petit problème de grenade, je crois, là. Petit problème de grenade. Oh oui, on le tue, on le tue. Oh oui, oui, on tue les deux, même. Les trois, les trois. Oui, les trois, ça me va aussi. Ça me va aussi, les trois. Très bon bait à la grenade, là. Très bon bait à la grenade de Ghoster, vous avez vu, sur le début de round. Il fait genre qu'il rate sa grenade, du coup, ils sont en confiance. Et après, boum. Bon, quand même, les deux sont sur ce site.
Et on a une info sur un qui est là. Donc l'autre est sur site. On le sait. On tue. Allez, on tue, on tue, on tue. Z, Z, Z. On appuie sur Z. Z, 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 Z. On appuie sur Z. Pour dormir, dormir. Z, 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 Z. Allez, allez, on dort, Z, 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 Z. Z, Z, on dort. Allez, les gars, on le tue, les gars. Les gars, on le tue. Les gars, il a un HP. On le tue. C'est ingagnable, hein. C'est ingagnable pour Jas, je vous le dis. Si Jas gagne le round, je vais faire une folie. Je vais faire une folie. Le round est ingagnable. Que ce soit dit. Non, ça se dit pas Yas, ça se dit Jazz. Ah oui, non, c'est vrai, c'est pas Jas. Je fais que dire Jas depuis le début. Mais c'est Jazz, il s'appelle Jazz en fait. Bon, allez, avance, fais-toi arracher comme tes potes. Vas-y, Nade à droite, check à gauche, c'est bon. Ou Nade à gauche, check à droite, comme tu veux. Voilà, fais ce que tu veux, dans le sens que tu veux, voilà. Oh non, il y a un trap de Cypher, zut. Oh, voilà, mort, mort. Allez, voilà. C'est bon. Ok. Pistole, c'est gagné. Il est mort. Mort, 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 mort. Big Fish qui perd un gosse là-dessus. Ce sera retiré de son salaire. Combien ça vaut un ghost? 400 je crois. Bah c'est 400 euros en moins. Allez hop, voilà. 500, c'est 500 c'est vrai. 500 euros en moins sur le salaire, voilà. Hop là. On verra si c'est marrant de mourir sur les bombes. Hein? Bon. Il gagne un point d'orbe. Ah ouais tu crois? Je crois pas. Hein. Ce serait facile un peu, non? Je crois pas. Après vous savez, Big Fizz, on lui enlève 500 balles dans son salaire, franchement. Je sais même pas s'il voit la diff. Franchement, je vous le dis, il voit sa paye. Il sera en mode, tiens, c'est pas le même nombre que d'habitude, mais j'arrive pas à savoir ce qui a changé. On prend pas bien le... Il dira, on t'a enlevé 500 balles. Il sera en mode, ah ouais? Ah, ok, ok. Quoi, tu veux pas savoir pourquoi, Big Fizz? Oh, je m'en fous. Allez. Ah, il est comme ça, Big Fizz. Hein. Vaniteux, hautain, prétentieux, surtout prétentieux, ouais. Prétentieux. Et puis tu sais, c'est cette espèce d'avoir toujours confiance en soi, du mépris des autres. C'est ce genre de. Ouais. Bon, écoutez, on compose avec le groupe qu'on peut. Hein. Voilà. Hein. Il fait des clutches. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il fait des clutches. T'es là. Est-ce qu'on le vire? Bah non, il fait des clutches. Ah ouais, ok. Ah dommage, tu vois. Dommage. T'as pas le choix, tu vois. Oh nickel, hein. Plus que 30 secondes. Dis donc, faut planter le spike. Il reste 30 secs. On est d'ailleurs dans une écho en face et on a deux vandales. Donc un round quand même très important, faut pas les perdre parce qu'on n'a pas trop parlé du round. Mais ça y est, on a planté. On est donc en post-plante. C'est nous qui avons l'avantage maintenant, mesdames et messieurs. Ouais, très bien. Oh, c'est bon, il a pu reprendre son arme. Mort, mort, dommage. Il donne un ghost. Qui donne un ghost? Vole un... Pff, rien du tout. Vole un jas. Mais il croit que c'est planté en A ou quoi? Qu'est-ce qu'ils foutent les JL là? Vous savez que s'il déclenche à fond, on peut se faire ouvrir la gueule. Hein. Moi ça me terrifie un peu les trucs sur B là. Les trucs sur B c'est toujours un peu... Ok. Il recharge. Ah il est dans la merde hein. Ah il est dans la merde de fou. Ok. Oh c'est bon, il a plus le temps, c'est gagné. C'est gagné. Ah non. Oh non, c'était pas gagné mais maintenant c'est gagné. Parce qu'il a tué le diffuser de Spike. Bon, par contre, ça va être un bonus vraiment horrible pour nous. Du coup, est-ce qu'on l'achète? Eh les gars, ils étaient en écho. On était censé gagner le round. Hein. On perd toutes nos armes. Franchement, c'est pas bon. Je vous le dis, c'est pas bon ce qui s'est passé. On a joué close range sur du B. On a perdu deux vandales trop précieuses. Franchement, on aurait pas dû. Béo! Vous avez vu, le suit, il a fait droite-gauche là. Il s'est mis à 4000 DPI. Il a fait. Waouh, c'est où ça? Pas mal, merci Dokai de visiter la map. Est-ce qu'on achète? On a acheté. Donc c'est pas un round bonus, ok? C'est un round qui... Attends. Ouais, ok. Alors c'est un round... Loadout value 20 000 pour eux, 18 000 pour nous. Mais on n'a pas bonus, mais il y en a quand même deux qui pourront racheter. On a décidé de gamble et de full buy. Ça buy pas trop quand même. En fait, on a fait un round petit shield. Round compte double, un peu. C'est le round qui compte double, quasiment. Après, ce sera une écho où on peut acheter. Donc, encore une fois, écho sur Lotus, on se méfie. Tain, il a rien vu avec ce drone. Il peut être bien deg. Mm-hmm.
ok, ok. Allez, Akuma. Je vous trouverai. Qui nous place une petite one way. One way qu'on exploite en regardant cette porte. Affronte tes pères. Allez, il devient sourd. Non, je pense qu'il n'a pas été touché. Je pense qu'on a touché personne. Hein. Ouais, on a touché personne totalement. Mais bon, un ulti sert à dégager de la place. Oh là là, aidez-le, aidez-le, aidez-le. Oui, on l'a aidé, on a eu Mikey. Est-ce qu'on peut avoir Kamik? Ah non, on a eu... Oh, oh, s'il te plaît. Le kill de fou. Oh, le kill de fou qui vient de sortir. Ok, il reste 30 secondes. Ça va être très dur pour nous, voir un Vzabl. Il va tirer dans la porte, attention. Ah. Oh, le Altego qui fait chier. Il reste 15 secondes. Oh. Ok. Ok, 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 ok. Ouais, on va check à gauche là. Si on fait le kill, c'est un miracle, je vous le dis. Oh, pas perspective. Non, tue-le. T'as plus le temps. Ah, je reviens pas, il en fait deux. C'est une honte. On avait la perspective, mais c'est vrai que c'était dur. Franchement, c'était dur d'engager ça. Et c'est déjà incroyable qu'ils aient réussi à le rendre viable, cette fin de round qui était catastrophique pour Mandatory. Ouais, 6 HP, 6 HP, encore Jas. Non, mais c'est ce kill là. Boum. Oh, ce kill, il fait quelque chose, ce kill. Hein. Ah, on avait la perspective. M'énerve ça. M'énerve. Bon, 8-7, et là on est en écho. Là on est en écho, c'était un round contre double, comme je vous disais. Attention, c'est une écho sur Lotus. Bon, on a pas fait assez de kills dans les rounds qu'on a perdus pour être bien. Et à chaque fois, on perdait toutes nos armes. Enfin, dans le round qu'on a perdu. Et à chaque fois, on a perdu beaucoup d'armes, donc forcément, on se retrouve dans une situation où on a une écho qui devrait être un peu plus viable que ça et qui ne l'est pas. Bon, Soon qui va être vu. Bah pour une fois qu'il voit quelque chose avec son drone, le pauvre, là, rends-lui ça au moins. Rends-lui ça au moins. Et on a Jazz qui a un ulti sur sa rase. Les ombres bougent. Ouais. Putain, on a réussi à déposer Akuma. Mais bon, il va le check. Hein. Je pense qu'il check tous les jours. Ouais, c'était bien ce truc avec la grenade. Franchement, le setup était bien. Ça l'a mis à 40 HP. Ça n'a pas suffi à faire le kill, c'était dur, hein. C'était dur à faire comme kill, il était obligé de check forcément, mais le setup était pas mal. Oh, Big Fist, tu veux pas l'arracher là? Ah, dur, hein, dur, dur, dur. En plus, il a du ping. Allez. Vas-y, tire à travers là, vite fait là, pour voir là, un truc là. Mouse 1 à travers là. Bah, il doit tout regarder, si dur. C'est si dur, c'est si dur. Il reste 30 secondes, il n'y a aucune issue. Aucune issue. En B, il y a une issue, vite fait. Hein. Plus que 30 secondes. Ok, 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 ok. Ouf! Ouf! Est-ce qu'on peut planter? Non, jamais de la vie, hein. Ils vont pas nous laisser planter, je pense, hein. La grenade des pixels. Ouais, prends une arme, là. Non? Oh, oui, 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 j'aime bien. Oh, il rate les deux. Non! Non, dommage! Dommage! En fait, s'il en tue un seul, je pense qu'on peut planter. Bon, le round serait perdu quand même, hein. Je pense que le round était perdu quoi qu'il arrive. À ce stade du round, en tout cas. Mais ça nous aurait permis de planter, peut-être. Ouais, là, Odin, bah, ça, c'est pas grave. Hein. Ça, c'est pas grave, là, Odin. Il a touché Raze. Ouais, j'ai vu qu'il avait touché Raze. Il y avait un gros shield. Paf, Jas à 10 HP. Parce qu'il avait du ping, en fait. Et c'est parti pour, mesdames et messieurs, un round armé. Voilà. C'est ça qu'on veut gagner, c'est les rounds armés. Les rounds pas armés, on s'en fout. Les rounds échos, je m'en fous. Les échos, je m'en fous. Non, non, tout, je m'en fous. Même ça, je m'en fous. Par contre, les rounds armés, ça m'intéresse. Ça m'intéresse fort, 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 fort. On a voulu détruire cette arrow un petit peu plus tôt. Ouais, Ghoster, ça va check deathmatch. Petit check deathmatch, là. Jazz. Sauf qu'il y a... Ouah ! Eh ouais, il y a l'autre qui décale. Aidez-le, putain ! Avec sa grenade en main, le pauvre, là ! Allez, petite bataille de deathmatch, là. Magic contre Hip, gagné par Magic, qui n'a pas pu être revenge. Deux kills qui n'ont pas pu être revenge, mais bon, tu le comprends plus sur le Omen parce que forcément, on a le TP et c'est son rôle. Et là, on se re-retrouve dans cette situation ultra coincée. Tu dois sortir sur ce site inattaquable. Je vous trouverai. Petite reveal. Il reste deux personnes, ça va être un saving, j'imagine. Oh. C'est une destruction. Oh, sur ce round, on s'est fait outplay, mais de tous les côtés. Ouais, j'aime bien. Ça fait tomber des armes. Bon, voilà, après, ils vont se barrer. Hein. Ça fera rien du tout. Il a le spike. Bon, s'il plante, c'est un héros, mais bon, jamais il plante. Hein. Jamais il plante. Il va rien se passer. Hein.
parce que les kills sont de plus en plus durs, tout comme je vous le disais. Il peut même pas recharger en plus, même s'il arrive à avancer, il a que 4 balles. En fait, là, son plan, c'est de faire un kill et de recharger, je pense. Mais il pourra pas. Il pourra pas, en fait, parce qu'ils sont deux à le regarder. Ouais, c'est pas grave. Il va en avoir un, peut-être. Ah non. Putain, ah ouais, il check ça. Oh, c'est un truc de fou. Bon, après, il check ça parce qu'ils ont l'espace sur tout le reste de la map, évidemment. Et c'est marrant qu'ils se disent, ouais, il va être là à la fin du round. Enfin, après, ils font le check en crossfire, normal, hein. Pour le coup, le Omen aurait dû tomber, c'est un raté. Enfin, un raté de revenge parce qu'ils étaient derrière hein, avec la porte. Mais sur le B, là, on a eu un souci. Bon, 10-7. C'est une écho, mais une écho qui peut être forte parce qu'on a un ulti sur Ghoster. On a un ulti sur Soon si on arrive à faire le premier kill avec cet ulti. On a un ulti d'Akuma qui peut prendre de l'info. Donc, à voir ce qu'on fait de cette écho. Et vous voyez, côté JL, on a commencé à se diriger autour du A et du B. Cela dit, ça peut encore bouger, évidemment. On va faire les setups et tout. Donc, c'est le moment d'un Valoplante. Peut-être, hein. Peut-être, effectivement. Et Sivov, pendant ce temps-là, qui s'entraîne pour jouer la cinquième map, puisque si Mandatory gagne cette map, eh bien, il y aura une map suivante sur Sunset. Et donc, il est obligé de se chauffer, évidemment, mesdames et messieurs. Ok, nickel. 20 secondes. C'est la fin du time-out. Ah non, c'est la fin du time-out. Et maintenant, 20 secondes, my bad. Et nous avons JL à 3 rounds de gagner le split 1 par contre. C'est vrai, hein, c'est vrai. C'est vrai qu'on parle pas trop de ça parce que nous, dans notre tête, de toute façon, la Lotus doit être gagnée bien sûr. Mais c'est vrai qu'on n'est pas loin, Allez, c'est parti. C'est une écho. On a du shérif. Ouais, ça peut faire du dégât. Hein. Ça peut faire du dégât, mais ça reste une écho. Donc tranquille, on n'est pas à notre avantage. D'autant qu'il y a beaucoup d'ulti en face pour counter. Hein. On a Jazz et Kamik qui ont quand même deux ultis extrêmement puissants pour anti-rush. Est-ce que la reveal touche quelque chose? Non. Oh, Roby. Oh là là. Attention. Oh là 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 là. Oh non, pitié. Pitié. J'implore votre pitié. Sauva, j'implore votre pitié. On va ouvrir la porte. Il va nous arracher de tous les murs là. Il va tout enlever si ça appuie sur le bouton. Ah, il est prêt. Hein. Il est accroupi. Pied dans le béton, carrément, il a mis des lanières attachées au... Ça y est. Là, il va tirer à droite. Et là, il va tirer encore plus à droite, je suppose. Ah, c'est marrant qu'il fasse... C'est marrant qu'il tire pas sur la pose où est Soon. Je pensais qu'il allait arracher la pose de Soon, justement. Parce qu'on voit beaucoup de travers ici. Ça va ouvrir! Tranquillement. Ça a été bien lu, hein. Bien lu de la part de JL, hein. On n'est pas du tout en A, hein. On est en C. Voilà, double sacoche. C'est bien. Akuma qui est en place. On va pouvoir poser. Faut poser, hein. Faut poser vite. Voilà, on pose. Posez vite. Je m'entraîne. Bon, voilà. On a fait le travail. Maintenant, bonne chance. Hein. Maintenant, bonne chance. Parce qu'il y a quand même des sacrées armes en face. Plus la Odin, là. T'inquiète, qu'il va appuyer sur Z. Il va jamais s'arrêter. Hein. On a Mikey avec le... Oh là là. Ok, pas mal. J'aime bien. Oh, le bâtard. Il l'a eu avant. Après, nous, c'est une écho, hein. On a claqué les deux ultis alors qu'on est en écho. Hip qui est en train d'arracher toute la game. Tire pas au bon endroit, mais on s'en fout. On a fait tomber deux armes et deux ultis alors qu'on était en écho et on a planté. Moi, j'aime bien cet écho. Moi, je vous le dis. J'ai bien aimé cet écho. Je trouvais que c'était bien. Certes, alors dommage, sur l'ulti de Ghoster, on n'a pas eu de chance. En plus, il savait pas qu'il était là. Bon, après, il s'en doute, c'est normal, un double satchel in. Ah, quoique, peut-être avec la tourelle, il savait. Il savait qu'il avait pas bougé. Parce qu'avec double satchel in, il avait dû le voir radar qui s'était arrêté sur la caisse. Donc, je pense que oui, je pense qu'il savait en vrai. Après, il avait du ping. Et là, bah, round armé qu'il faut absolument mettre. Hein. Là, il faut tout mettre de toute façon, puisque si on perd un seul round, on sera en écho. Donc, en fait, c'est comme si c'était le 12e. Franchement, c'est comme si c'était le 12e, mesdames et messieurs. Et on doit évidemment mettre tous les rounds à partir de maintenant. Déclenché. Sinon ça va devenir très très dur. Même si les échos sur Lotus sont fortes, hein, voilà, je le répète. Et on a Jazz qui joue Opérator. Opérator sur le... Oh ! Là. Je sais pas s'il l'a vu, ouais, il l'a vu je pense.
Non, non, pas de silence, pas de silence. On n'est pas à 12, on n'a pas besoin de revenir en overtime. Pour l'instant, c'est OK, hein, tout va bien, d'ailleurs. Tout va bien, les amis. Est-ce que Soon va être vu avec son drone? Ben, je pense pas. Hein. Il n'a pas été vu du tout. On s'est accroupi. Putain, ce jeu des sentinelles, quand même. Hein. Waouh, il a eu la cam. Ouais, ils l'ont pingé pour lui et il l'a détruite à travers les murs. Les murs, yin. À droite, nous avons la Killjoy. Après, on sait à peu près où elle joue. La question, c'est est-ce qu'elle est seule? C'est toujours ça, le problème. En plus, il y a une smoke qui vient de tomber. On n'a pas réussi à avancer pour l'instant. Ouais, Soon qui a fait un petit trou. Soon qui a fait un petit trou, j'aime bien. Oh, belle ulti d'Akuma. Soon qui s'est fait avoir. C'est pas très grave, il a fait son travail. Il a fait un premier kill. Ça va être un ulti de Killjoy. Ça va être un ulti de Killjoy. Ils sont... Oh oui, putain! Ils ont pas planté, ils se sont décalés. Wouah, je sais pas si un truc leur a empêché de planter ou ils ont volontairement arrêté de planter. Mais c'était incroyable et ça fait quasiment gagner le round. Enfin, en tout cas, ça fait partie de ce qui fait gagner le round pour l'instant. Ça, c'est un truc de fou. Je comprends pas comment c'est possible. Je comprends pas comment c'est possible, vraiment, je te comprends pas. C'est incompréhensible pour moi. Un cerf ! Ok. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal ! Pas mal du tout ! Oh, Akuma ! Ça, c'était un bon TP. Ça, c'était un bon TP. Je l'ai vu ! Je l'ai vu lever les bras ! J'étais en mode, oh oui, ça sent bon, ça sent bon. Et pourtant, ils se retournent, hein. Ils sont en mode, oh, il a du TP derrière nous, trop tard. Trop tard. Dommage, trop tard. Regardez, il tue, mort. On l'a vu, Coaster, j'ai lu sur ses lèvres. J'ai lu, mort. Akuma, putain. Oh, mais c'est Coaster qui dit mort, c'est toujours Coaster qui dit mort. Coaster, c'est le lecteur de Killfeed. Mort. Non, j'adore. Vous connaissez les vocaux? Avec Ghoster qui est en mode mort. Ah, c'était exceptionnel. super! Bon. C'était un joli round, mais faut en mettre d'autres. Je révèle la solution. La coche sortie. Ok. Boom. Y'a du ping. Est-ce qu'on va réussir à le tuer? C'est dur, hein. C'est dur de l'avoir. On a essayé de l'avoir, mais c'est dur. C'est dur de le rush, en fait. Et Mikey qui a arraché Hip et Big Fizz pendant ce temps. Jazz qui a eu Soon. Et Magic qui a eu Akuma. Rien n'a fonctionné dans cette entry. Mesdames et messieurs, on y est. On est au pied du mur. Et Mandatory pourrait perdre, eh bien, cette finale sur un seul round. Un seul, mesdames et messieurs. Un seul. Avec eh bien, beaucoup de balles de match. Hein. Beaucoup de balles de match pour JL, mesdames et messieurs. Ils ont 12 rounds. Et s'ils en mettent un seul, eh bien, ce sera la victoire du split 1. Et moi, je dois me taire quand le compte à rebours arrive à 0 jusqu'au premier kill. Car vous le savez, pour revenir en overtime, il faut du silence et de la concentration. On y va. C'est maintenant. A tout de suite. Merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est Soon qui s'est fait arracher par Ruby, j'avais pas vu. Ouais, dur, hein. Dur. Hip qui avait pourtant fait un check parce qu'il s'attendait à ce qu'il y ait que Ruby. Et en fait, il y avait aussi Jazz avec son opérateur. Et bien, mesdames et messieurs, faut faire l'exploit. Faut faire l'exploit. Ils sont 3v5, c'est très très dur. En plus, on a toujours galéré à venir sur ce site C. Il n'y a plus de nanite. Ça, c'est un avantage pour nous. On est obligé de faire cette ulti pour prendre un peu d'espace. On est obligé de flasher sur cette cascade. Sauf si on n'a pas d'infos. Ok. Oh la vache, il a bien failli se faire avoir en mode timing. Est-ce que Ghoster va aller chercher cette... Ouais, il y va, il est obligé de le tenter, le kill, il pourra pas le faire malheureusement. Ça va être un 2v5, un 1v5, 1v4, c'est terminé. Mesdames et messieurs, c'est fini. JL gagne la finale du split 1 face à Mandatory. 13-8 sur cette Lotus, c'est GG. Et franchement, on peut les applaudir parce que, honnêtement, JL a trop bien joué cette finale. Franchement, je le dis, je trouve même pas que Mandatory ait fait énormément d'erreurs. Bien sûr, il y a eu des erreurs, on viendra sur les matchs et tout, mais
Job Life qui gagne, et franchement, c'est mérité. C'est toujours cool de perdre face à une équipe qui a bien joué et pas de se dire, on est passé à côté de tous nos matchs et tout. Et je trouve que JL a vraiment bien joué. Alors évidemment, nos joueurs vont être déçus. Évidemment, on aurait préféré gagner notre premier split, c'est vrai, mais on peut chercher le positif toujours dans ces situations-là. Le positif... Oh, ta gueule ! Le positif, c'est... On est retourné en finale. Donc en termes de régularité, l'équipe se place très très haut. Et... on a réussi une fois de plus à montrer que même si on faisait des débuts difficiles dans la ligue, on revenait sur le seed 1, etc. Et en plus, bah, j'avoue, le dernier point positif, à mon avis, c'est de se dire ce split valait pas tant que ça. Ce split valait pas tant que ça. C'était un peu comme un pistolet pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si tu me le donnes, je le prends. Mais si tu l'as pas, c'est pas très grave. En fait, c'était le split de chauffe pour Mandatory. Et c'est vrai, je suis obligé de le dire, parce que c'était aussi une nouvelle aventure pour Mandatory. On est tous à Montpellier, on a appris à jouer ensemble, dans la même pièce pour cette équipe qui s'est formée. Vous voyez, on était ensemble dans la même équipe. Donc maintenant, il va falloir réussir à gagner le deuxième. Voilà!